Eh bien, bonsoir, chers amis. Alors, ce soir, je vais vous proposer la régénération de l'ADN pour que vous puissiez agir sur vos périodes de fatigue et récupérer lorsque vous êtes malade plus rapidement. Alors, nous allons commencer par ouvrir l'espace sacré en nous reliant à notre cœur. Donc, je vous invite à vous asseoir correctement, le dos bien droit, à faire trois grandes inspirations-expirations en vous reliant à votre cœur. Maintenant que nous sommes reliés à notre cœur, nous allons ouvrir en inspirant notre espace sacré, englober toute cette lumière dans notre torus à l'intérieur et ramener nos mains vers le chakra du cœur. Maintenant, nous allons remonter à nouveau une autre fois pour aller chercher de l'énergie et descendre cette énergie jusqu'au chakra souterrain à 12 mètres 50 dans le sol. C'est le troisième chakra souterrain. Et nous allons envoyer cette énergie à ce chakra. Puis nous remontons vers notre cœur et nous allons de nouveau monter pour aller chercher de l'énergie dans le neuvième chakra et cette fois-ci envoyer l'énergie à notre onzième chakra qui se situe à 40 mètres au-dessus de notre tête. Puis en redescendant et en repassant par le neuvième chakra, nous entrons de l'énergie à travers notre chakra coronal, notre troisième œil, la gorge, et nous mettons de l'énergie dans le naxal, le point naxal. Nous inspirons, nous remontons pour aller chercher de l'énergie, énergie de lumière, énergie d'amour, énergie liquide. Et nous redescendons cette lumière à travers nous-mêmes jusqu'à notre cœur. Lorsque nous sommes à notre cœur, nous dirigeons cette énergie vers notre poignet, qui est le point 5 du gros intestin, et nous y mettons toute la lumière que nous venons d'aller chercher. Nous revenons à notre cœur. Nous remontons chercher de la lumière, de l'énergie, de l'amour, de l'énergie liquide. Nous redescendons cette énergie dans notre corps jusqu'à notre cœur. Et nous infusons cette énergie jusque dans le cinquième point du gros intestin au niveau de notre main droite. Puis nous revenons maintenant à notre cœur. Lorsque nous avons fait cela, nous allons de nouveau monter pour aller chercher de l'énergie. Et cette fois-ci, nous allons descendre par le chakra coronal, dans notre nuque, en passant vers les points vessie et en posant sur les points du 15, triple réchauffeur, et en envoyant toute cette énergie dans notre point 15 du triple réchauffeur. Puis nous ramenons les mains à notre cœur. Pour compléter cette fusion d'énergie que nous venons de faire, je vais vous inviter
à dire des codes verbaux, puisque vous savez que la parole est créatrice, donc la parole accompagne la lumière liquide d'amour pour la régénération de votre ADN. Donc, nous allons, à partir de notre cœur, visualiser le troisième chakra souterrain et dire trois fois Rouni, Rouni, Rouni. Puis nous montons dans notre pensée jusqu'à notre onzième chakra, qui est à 40 mètres au-dessus de notre tête, et nous allons dire trois fois Emia, Emia, Emia. Puis en restant concentrés sur les énergies de lumière que nous recevons dans notre cœur, nous allons envoyer cette lumière dans notre naxal, le point naxal, et nous allons dire Aoji, Aoji, Aoji. Puis comme nous avons envoyé de l'énergie dans notre gros intestin au niveau du point 5 des poignets, nous allons visualiser que nous envoyons ce code dans nos deux mains, dans nos deux poignets, point 5, main, poignet gauche, poignet droit, et nous allons dire Zohour, Zohour, Zohour. Puis, pour terminer, nous allons envoyer de l'énergie dans le point 15 de notre troisième réchauffeur, c'est les deux points qui se situent derrière les épaules, et nous envoyons ce code Olsum, Olsum, Olsum. Je vous invite à former un lotus avec votre pouce et à remercier et à l'entrer dans votre cœur. Alors, j'ajouterai quelques compléments. Il est bon de faire cette activation une fois par semaine. Et si vous êtes malade, vous pouvez la faire tous les 2 jours et cela vous aidera à guérir. Je vous remercie pour votre attention de ce soir, mais tout d'abord, nous allons refermer notre espace sacré avant de nous quitter. Donc, nous écartons les bras, nous mettons vers le bas, nous remontons vers le haut, vers notre neuvième chakra. Nous touchons l'énergie, nous recevons de l'énergie et nous l'envoyons partout dans notre corps en passant par le chakra coronal, nos oreilles, nos yeux, notre gorge, notre cœur, notre plexus solaire, notre ara, notre chakra racine, voilà. Et ceci dans nos genoux, dans nos chevilles, jusque dans la terre. Voilà pour ce soir. Je vous remercie encore une fois. Namasté. Bonne soirée.